ne croyez pas à ce télégramme, vous? J'ai plutôt à l'oncle que je ne crois pas. Mais malheureux, voyons, cet oncle est notre seul espoir de salut. Je crois à l'oncle, je crois à l'oncle. Cet accoutrement, c'est comme ça que vous voulez faire ouvrir la porte à un millionnaire? Oh. Allez, pas un mot de plus, et fichez-moi le camp. Oh. Oh. Alors quoi, c'est la foire, c'est la pagaille ici. Mais je ne m'appelle pas le comtois, je m'appelle Max May. Comment, c'est maintenant que vous nous dites ça? Et vous vous laissez embrasser? Mais... Et vous acceptez des cadeaux des femmes? Mais... Bah, c'est du propre. Voulez-vous vous démarrer? Oh. Je n'ai jamais eu de millions, jamais! Mais tout ce que je rapporte d'Amérique, c'est cette pièce de 10 dollars, là, en or! Ah non, je ne les donnerai vous pas. Vous les donnerez? Je ne les donnerai pas. Vous les donnerez? Non, non. Je vous dis que vous les donnerez? Je ne les donnerai pas. Vous les donnerez parce que c'est nécessaire. Merde. Non, mais oui, pardon, comment voulez-vous que j'achète quelque chose puisque je n'ai pas d'argent? Faut que tu sois vraiment riche pour dire qu'il n'a pas d'argent. Messieurs, je dépose notre garantie or dans les coffres de la Banque industrielle de Saint-Berneville. Messieurs, la séance est levée. Non, mademoiselle, monsieur le directeur n'est pas là. Monsieur le directeur est fiancé. Monsieur le directeur se marie. Monsieur le directeur se marie! C'est original, n'est-ce pas? Votre mariage aussi est original. Bonsoir, mademoiselle Pironnet. Bonne nuit.